Envie d'aventure, besoin de voyager en toute simplicité, l'idée d'une escapade dans un coin tranquille. Et voici le véhicule qui va m'y amener, une deux chevaux de 1980 et sa remorque aménagée. Destination prévue, Florac, un petit village des Cévennes, 260 km de route au rythme tranquille des nationales. Check des pneus une minute avant le départ. Ça paraît un peu plat, mais ça va le faire. Si on s'écoute, on trouve toujours mille excuses pour retarder le départ. Si on attend d'être serein avec une voiture de 40 ans pour un trip de 500 km, on ne s'en va jamais. Mais évidemment, ce qui devait arriver arriva. Un pneu éclate. C'est pas grave, on s'arrête sur un parking. Immédiatement, de nombreuses personnes nous proposent de l'aide. Un cric, quelques coups de manivelle, et c'est reparti. On reprend la route. Des rencontres, des surprises, des galères, des souvenirs, c'est aussi ça le voyage. Une fois arrivé au camping, une surprise nous attend. Le connecteur de la remorque s'est décroché et s'est complètement détruit en frottant sur la route. Une occasion de plus pour sortir les outils. Première nuit plutôt fraîche et un peu serrée. Juste envie de se lever et de découvrir de nouveaux paysages. De se balader, sillonner les belles routes de la région. Et se faire un thé pour se réchauffer. Le troisième jour, on profite encore du village de Florac. De cette ambiance tellement agréable et de son environnement reposant. Les affaires sont rangées et l'heure du départ a déjà sonné. L'attelage est prêt, les pneus bien gonflés, la prise bien accrochée. On traverse Avignon, la pluie s'invite, mais la deux chevaux assure et nous ramène à la maison sans aucune difficulté.